Partie, partage d'écran. Cette coopérative de consommateurs, elle s'appelle Emris. Elle a été fondée en août 2014 en Haute-Savoie, à Annecy. Et elle a inventé, en fait, tout simplement le fait de transformer ses dépenses en actifs. Certains appellent ça la retraite du consommateur. Moi, j'aime bien l'idée de se dire que on, on, on transforme nos dépenses, qui en général, normalement, sont perdues, quand on a donné 10 euros pour acheter. Euh, une paire de chaussures par exemple, elle n'est pas chère, mais bon, ok. Eh bien, euh, on ne revoit jamais ces 10 euros. Eh bien, nous, quand on achète quelque chose, on gagne ce qu'on appelle des Emrys Ces Emrys Coins se transforment en part et nous rapportent du crédit d'achat à hauteur euh, de... bien plus supérieure en général à la dépense qu'on a fait. Donc, c'est vraiment des actifs, c'est vraiment génial. Cette coopérative de consommateurs, elle est aujourd'hui déjà maintenant le, le numéro un. En termes de, de revendeur de cartes cadeaux auprès du particulier. On peut être content quand même, hein, parce que être fier de ça, parce que ça fait plus de huit ans maintenant qu'on œuvre sur, le, sur ce marché-là. Et on, enfin, on avance de manière plutôt euh, exceptionnelle. Cette coopérative de consommateurs, elle a une particularité. Elle reverse 80% des remises qu'elle négocie. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Normalement, une société. Eh bien, euh, garde un maximum de bénéfices et reverse pas grand chose. Là, c'est 80 de tous les avantages négociés sont reversés aux membres et aux associations. On en parlera tout à l'heure. C'est une possibilité unique d'améliorer son pouvoir d'achat. Encore une fois, on va avoir des actifs qui vont se mettre en place avec nos dépenses. Et aussi, vous avez la possibilité, c'est une option, de générer des revenus depuis votre domicile. Vous allez pouvoir participer au développement de cette coopérative et vous allez pouvoir être un membre actif comme moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des présentations, parce qu'il y a des personnes qui le font, font. Donc, vous allez avoir plein, plein d'outils. Si vous voulez vous générer un revenu complémentaire ou un vrai revenu, si vous avez envie de changer de métier, eh bien cette coopérative, elle offre des possibilités de développement. On en parlera tout à l'heure un petit peu dans cette, dans cette présentation. Effectivement, c'est le seul concept de recommandation au monde qui améliore la consommation quotidienne des ménages. Ça, c'est exceptionnel. On fait partie de la FEVAD, la fédération du e-commerce et de la vente à distance. Ça, c'est aussi euh, quelque chose que vous pouvez vérifier. Vous allez sur le site vous tapez FEVAD et Emrys, vous allez tomber bien sûr sur notre page. On est euh, à côté des grandes enseignes, de plusieurs grandes enseignes. Donc, ça, c'est un gage de sérieux. Ça fait bientôt 8 ans, euh, un peu plus de 7 ans qu'on est en route. Cette coopérative est en route. Et on fait partie de la FEVAD, on fait partie aussi de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs et on affiche euh, nos avis, euh, les avis clients sur Trust Pilot de manière claire et transparente. Donc voilà pour ceux qui ont besoin un petit peu de se rassurer. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne Emris en chiffres. Eh bien, Emris, c'est juste une évolution. Euh, 2014, 2015, 2016, ça a été la, la mise en place de ce concept, donc avec euh, un succès euh, relatif. Par contre, à partir de 2017, on a atteint 1,7 million. En 2018, 3,8 millions. En 2019, 38 millions. Là, on l'a multiplié par 10 entre 2018 et 2019. On a modifié quelques paramètres dans notre programme de fidélité et ça a tout changé. On a fait un x10 sur euh, cette, euh, cette année-là. Donc là, on parle euh, de chiffres d'achat groupés. On ne parle pas de chiffres d'affaires, on parle de chiffre d'achat groupé. Ça, c'est vraiment. Euh, la grosse notion, euh, vous comprenez qu'il y a un intérêt, il y a beaucoup de personnes qui font des achats avec euh, cette coopérative. Donc vous pouvez aussi vous en profiter. En 2020, pendant la crise qu'on a connue, et qu'on connaît encore plus ou moins, je dirais, et ce n'est pas encore fini, euh, je, 65 millions, 65 millions en 2020, on est passé de 38 millions à 65 millions. En 2021, toujours on avait les, pieds de, les deux pieds dans la crise. Et on a continué à croître 116 millions. Donc euh, l'objectif de, de cette année 2022, c'est de dépasser 200 millions. Donc vous comprenez vous, très très facilement que la coopérative, elle est en pleine euh, évolution dans une courbe qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, dans une courbe qui est un petit peu exponentielle, je dirais. Et vous comprenez très bien que grâce à en voyant ces chiffres-là. Et eh bien que Emrys sert à quelque chose. Emrys a un intérêt et euh, ça va être vraiment juste du bonheur. Alors maintenant, on va euh, parler aussi des médias parce que nous, euh, en tant que membres Emrys et la coopérative de consommateurs, Emrys n'a pas décidé de se faire connaître à travers les médias. Mais les médias parlent de nous quand même euh, parce que y a des qu on qu'on a vraiment beaucoup de membres, hein, 160 soixante membres, 165 soixante membres, et il y a des gens qui euh, qui, euh, qui qui autorise qui autorise euh, tout simplement les médias à les filmer. Donc on est passé des reportages, TF1, Sisters, M6. On a des articles de journaux qui ressortent quasiment chaque semaine maintenant. dans cette coopérative, elle est connue, de plus en plus connue. Vous en avez jamais entendu parler. C'est normal, on est 160 000 membres. Imaginez-vous, il y a 35 millions de consommateurs en France. Ok, et on n'est pas ouvert qu'en France, on est ouvert aussi en Belgique. Coucou la Belgique, on va parler aussi de vous dans cette présentation euh, rapidement. Euh, regardez ce slide, il est très important. C'est quand vous avez regardé ça, quand vous avez compris ce slide, vous avez tout compris. Emrys, c'est un acheteur de cartes cadeaux en masse, le premier acteur d'ailleurs, le premier acteur Acteur par réacteur, le premier acteur euh, dans ce dans ce marché là auprès du particulier, Emrys achète en masse des chèques et des cartes cadeaux chez euh, ses euh, partenaires et ses partenaires en échange reversent une remise. Quoi de plus normal euh, C'est le monde du commerce. Par contre, nous en tant que consommateurs, eh bien on n'a pas besoin d'acheter des millions euh, chez Emrys en termes de cartes cadeaux pour avoir une belle remise, c'est-à-dire que. On a, nous, euh, un pouvoir d'achat qui est limité. Ça peut être 200, 300, 400, 500, 600, 800 euros par mois si vous avez une famille. et eh bien, euh, Emrys négocie en, en masse. C'est-à-dire que nous, on fait plus de 10 millions d'achats groupés chaque mois. Donc, euh, des petits consommateurs, entre guillemets, peuvent avoir des avantages euh, comme s'ils achetaient pour des millions tous les mois. Donc, ça, c'est la force du groupe. Et euh, si vous avez compris ça, vous comprenez. Euh, presque tout chez Emrys. La répartition des remises, comment elle est, elle est faite 20% sont conservés pour les frais de fonctionnement. Emrys, il y a des salariés, une vingtaine de salariés, il y a des bureaux, euh, donc euh, voilà, il y a plein plein de petits services, mais c'est trois fois rien. conserve juste 20%. Imaginez-vous cette coopérative de consommateurs. Mais ça suffit pour vivre et ça suffit pour payer euh, les 20 salariés. Mais elle reverse 80%. De, toutes les autres, de, 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 de tous les avantages qui ont été négociés par la coopérative. 80% aux membres. Alors, il y a une partie qui va aux membres qui euh, fait l'achat, ce qui est normal, c'est quand même lui qui a fait l'achat. Il y a une partie qui va à une association en, en mode automatique. Et il y a une autre partie qui va dans le réseau. Emrys a décidé de récompenser la recommandation, réco récompenser les gens qui parlent de la coopérative et vont euh, justement donner des bonus euh, liées aux achats et sur plusieurs niveaux. On en parlera tout à l'heure aussi. Donc d'où vient l'argent D'où vient l'argent que vous touchez euh, quand vous faites vos courses et quand vos filleuls font des courses On parle de, de personnes qu'on va pouvoir recommander, la notion euh, parrain, filleul. Eh bien, l'argent vient d'où des remises de commerçants. Toutes les remises qui sont négociées, c'est là, c'est les commerçants qui les donnent et Emrys les découpe et les redistribue de manière juste et équitable à ses membres et aussi aux associations. Le programme de fidélité, il est très simple. Vous connaissez tous la carte de fidélité avec des... pour la pizza, par exemple, pour acheter des pizzas. Vous avez des points de fidélité. Et bien quand vous remplissez vos 10 points, vous avez mangé 10 pizzas, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous allez gagner une 11e pizza gratuite. En général, c'est à peu près ça, quoi. Ça peut être 12, enfin, peu importe. Eh bien nous chez Emrys, on a une, un plan de fidélité. Donc c'est un plan de fidélité qui euh, accueille justement, 10 points de fidélité. Et nous on n'appelle pas des points de fidélité, on appelle ça des parts. Donc un point de fidélité, c'est comme un tampon chez, chez le pizzaiolo. Et pour nous c'est une part. Et donc on va gagner des Emrys coins en fait avec notre coopérative de consommateurs. Tous nos achats nous rapportent des Emrys coins. Et quand on cumule 6 Emrys coins, ça se transforme en une part. Et puis c'est comme si on avait un tampon. Et donc du coup, on va remplir ces 10 tampons, un plan de fidélité, dès qu'il est rempli avec 10 tampons, 10, euh, 10 parts pour nous, et eh bien vous obtenez tout de suite la première prime de 9 euros. Quand vous avez obtenu cette prime de 9 euros, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on vous offre une, deux, un deuxième plan de fidélité qui aura aussi euh, la place pour avoir 10 parts. Euh, par contre, ce sera des parts de niveau 2. C'est comme une, une deuxième carte de fidélité avec votre pizza qui va être tamponnée. Et qui ne vous rapportera pas cette fois 9, mais 15 euros. Quand vous touchez 15 euros, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on vous donne une, un plan de fidélité, comme une carte de fidélité, euh, qui sera euh, pour le plan de fidélité 3. Et ça vous rapportera 25 euros. Et ensuite, on enchaîne 44 euros, toujours pareil, 75 euros. Tout ça, c'est automatique en fait. Vous avez juste à faire vos achats et vous remplissez vos plans de fidélité. Donc un plan de fidélité qui est multi-enseigne et mutualisé. Alors que multi-enseigne, c'est ça, c'est-à-dire que j'en ai vrai que je n'en ai pas parlé. Euh, multi-enseigne, c'est-à-dire que vous allez remplir votre carte avec vos, euh, vos achats dans les grandes enseignes nationales alimentaires, vestimentaires, carburants, et puis quand vous allez partir en voyage, quand vous allez faire des achats chez un, un, un artisan, dans les créateurs, dans, chez, chez, chez des PME, quand vous allez aussi dans les centres commerciaux, bref, c'est un programme de fidélité qui est multi-enseigne, donc euh, il va se remplir beaucoup plus rapidement. Et, on, et ensuite, il est aussi mutualisé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul à remplir ces plans de fidélité. Okay on remplit les plans de fidélité ensemble. Donc c'est comme ça qu'on peut tirer des avantages aussi euh, importants. Euh, 375 euros pour un retour en plan, en, pour, en, pour, sur un programme de fidélité, c'est juste énorme. Moi, je n'avais encore jamais, jamais vu ça. Mes achats, vos achats, nos achats vont se transformer en actifs. Vont vous rapporter de l'argent. Et ce n'est pas fini. Je vous ai parlé de plans de fidélité, de huit plans de fidélité là ce soir. En tout cas, je vous ai donné les primes. Eh bien, en réalité, il en existe 15. Retournez voir la personne qui vous a invité et vous expliquera euh, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on gagne dans ces plans de fidélité qui, qui suivent. Mais vous vous doutez bien que c'est euh, plus important que ce euh, qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, quand vous êtes euh, connecté, quand vous êtes membre, donc vous vous inscrivez, Retournez voir la personne qui vous a invité, elle va vous donner son lien d'affiliation, vous allez pouvoir vous inscrire euh, parce qu'on ne s'inscrit qu'avec de la recommandation, impossible de s'inscrire directement, il faut que quelqu'un vous recommande. Voilà, on aime bien avoir des gens qui soient respectueux euh, et qui ont envie de profiter de ce beau programme. Eh bien, comment ça se passe Vous pouvez vous connecter donc, euh, avec vos identifiants, mot de passe et vous allez commander. Euh, ce que vous voulez euh, chez le partenaire que vous souhaitez, ça fonctionne dans la grande distribution alimentaire, ça fonctionne aussi dans le sport, loisirs, ameublement, dans la mode, dans la beauté, dans le service, dans le bricolage et aussi tous les services pour les enfants, euh, les jouets et ainsi de suite. Ça c'est pour les grandes enseignes. On a des centaines, donc ce soir on n'en parlera pas. Je vous invite à retourner voir la personne qui vous a invité encore une fois. Elle va vous faire voir tous les partenaires. Elle va vous aider à, à vous faire voir combien vous pouvez gagner combien vous allez gagner davantage, fidélité. Elle vous fera voir peut-être même ce qu'elle a pu gagner. Voilà, ça, c'est euh, à voir avec cette personne qui vous a invité. On est aussi dans des centres commerciaux avec des centaines de grandes enseignes, euh, des de, centaines, centaines de grandes boutiques, pardon, petites et grandes boutiques, les deux. Donc, euh, si vous avez un centre commercial pas loin de chez vous, vous pouvez vous connecter sur le site Internet, l'EMRIS, et vous regardez, vous avez peut-être... Un site euh, un centre commercial qui est partenaire avec, euh, avec la coopérative. Donc, vous pourrez avoir des avantages encore euh, dans d'autres enseignes supplémentaires. Il y a aussi euh, des dizaines d'artisans, créateurs euh, et des PME. Il y en aura de plus en plus si vous voulez faire des achats en ligne. Eh bien euh, allez voir, il y a des chèques et des cartes cadeaux, enfin des cartes cadeaux à acheter. Ce sont des e-cards et qu'on reçoit directement en fait, hein, sur votre téléphone que vous pouvez télécharger. Si vous souhaitez, vous pouvez les imprimer également. Mais euh, la plupart de nos cartes, ce sont des e-cards. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des moments où on reçoit des cartes par la poste. Par exemple, euh, là, ici, j'ai euh, deux cartes. Une carte de Auchan et une carte de euh, Carrefour. Donc, c'est des cartes physiques euh, dans certains cas. Euh, mais chez Carrefour, par exemple, c'est juste une édition collector. Mais normalement, c'est de la e-card. On a, pour nos amis belges, euh, plusieurs enseignes donc, qui sont en train vraiment euh, de, de se développer. Et ça, c'est plutôt appréciable. Notamment GreenWiz, qu'on a aussi en France, nous, des magasins bio, euh, qu'on reçoit. C'est des produits qu'on reçoit directement à la maison. Donc, c'est plutôt agréable, avec des prix très, 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 très intéressants, avec des produits de très grande qualité. Donc, je vous invite à, 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 appeler, à, à appeler, à à consommer chez GreenWiz si vous en avez envie, parce que c'est du très, très bon. Euh, Très très bons produits à, à un prix euh, vraiment raisonnable. Donc il y a beaucoup beaucoup d'autres enseignes. Euh, la Belgique est fournie un peu moins que la France, mais ça va avancer et ça va continuer. Maintenant, comment on s'inscrit et surtout quels sont les avantages, quelles sont les possibilités de s'inscrire Il y a trois statuts. Le premier statut, c'est le statut d'acheteur. Ça, c'est pour un, quelqu'un qui va payer 10 euros par an et sans engagement, c'est-à-dire qu'à la fin de la, son année euh, globale. Eh bien, elle ne, elle ne renouvellera pas, elle ne sera pas obligée de renouveler. Si elle ne renouvelle pas, eh bien, son, son compte ne sera pas renouvelé. Donc c'est vraiment sans engagement. Si elle veut renouveler, c'est à elle de le renouveler. Elle va pouvoir justement dépenser ses dépenses, euh, transformer ses dépenses en actifs. Elle ne pourra pas recommander des amis, elle ne pourra pas recommander des commerces et elle ne pourra pas obtenir des primes supplémentaires mensuelles. Ça, c'est pour faire un test pour savoir si ça marche euh, pour vous, en fait. Hein, parce que Emery, ça marche pour des milliers de personnes aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes. Mais euh, si vous avez un doute, savoir si ça va vous plaire, vous pouvez faire un test. Mais ce n'est pas un statut qui est euh, très intéressant au niveau avantage-fidélité. Ce n'est pas euh, énorme. Ça fonctionne, c'est bien. Mais si vous voulez gagner plus, je vous propose au moins ce statut d'acheteur enchanté. Pourquoi Parce qu'avec ces 40 euros par an et sans engagement, et bien vous allez pouvoir gagner des avantages et transformer vos dépenses en actifs, comme l'acheteur. Mais par contre, vous allez pouvoir recommander des amis. Et ça, ça fait la différence. Quelques euros, quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros par mois, grâce à la recommandation. C'est plutôt sympa. Et en plus, vous partagez un bon plan. On le fait assez naturellement. Quand on a vu un bon film, on en parle. Quand on a mangé dans un bon resto, on en parle. Quand on a passé des bonnes vacances à un endroit, on en parle. Eh bien, quand vous augmentez votre pouvoir d'achat, eh bien, vous allez en parler autour de vous pour que les autres fassent exactement la même chose. Avec ce statut à 40 euros, vous ne pourrez pas recommander des commerçants, vous ne pourrez pas recommander des associations et s'inscrire, et vous n'aurez pas de primes supplémentaires mensuelles. Maintenant, si vous avez vraiment envie d'avoir un maximum de retours avec cette coopérative, et si vous avez envie de participer au développement, eh bien, je vous conseille de prendre cette licence enchanteur. Mais vraiment, euh, ça va, vous allez pouvoir en discuter avec la personne qui vous a invité, savoir si c'est quelque chose qui vous est euh, qui, qui, qui vous est euh, qui, qui vous sera profitable en fonction du temps que vous allez pouvoir passer. On ne vous dit pas qu'il faut être un, quelqu'un qui travaille à plein temps dessus, pas du tout. Mais par contre, avec cette licence, vous ouvrez toutes les rémunérations, toutes les récompenses possibles. Donc bien sûr, vous allez transformer vos dépenses en actifs. Vous allez pouvoir recommander vos amis et être récompensé encore un Peu plus euh, par rapport à l'acheteur enchanté. Vous allez pouvoir recommander des commerçants, vous allez pouvoir recommander des associations. Donc ça, c'est deux leviers énormes. Encore une fois, retournez voir la personne qui vous a invité. Elle vous expliquera pourquoi c'est des, euh, des leviers énormes. Et puis obtenir des primes supplémentaires toutes les toutes mensuellement en fait. Et eh bien euh, ça, c'est réservé uniquement aux enchanteurs. Allez, on regarde en chiffres ce que ça peut donner. Imaginez que vous. Euh, vous allez construire, vous prenez la licence euh, acheteur enchanté à 40 euros par an sans engagement et vous allez euh, parler, par parler des autour de vous. Et vous connaissez une seule personne qui consomme, qui s'habille, qui fait son plein naissance. Bon, c'est une blague, bien évidemment, parce que vous en, vous en connaissez des centaines, mais on va dire que vous, avez inscrire, vous allez inscrire une seule personne et il va y avoir une duplication parfaite, euh, même si ça n'existe pas comme ça dans la vraie vie. Mais vous allez voir, on va faire parler les chiffres ce soir. Eh bien, vous, vous inscrivez Pierre, Pierre inscrit Paul, Paul inscrit Jacques et Jacques inscrit Brigitte. Brigitte, quand elle fait des achats, quelques centimes remontent à Pierre, Paul et Jacques et vous aussi. Voilà, ça, ce sera sur quatre niveaux. Donc, c'est bloqué à quatre niveaux pour l'acheteur enchanté, la licence à 40 euros par an et sans, 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 et sans engagement. Donc, ça veut dire que vous avez inscrit une seule personne, un qui fait un, qui fait un, qui fait un. On prend une duplication bah, purement euh, mathématique. Hein. On sait encore une fois que ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, on va regarder ce que ça donne si vous vous en inscrivez deux. Si vous connaissez deux personnes qui sont des consommateurs, deux qui font deux qui font deux, qui font deux 36 euros, trois qui font 3, 144 euros et quatre qui font 4, 408 euros. Donc là, vous comprenez très facilement que euh, grâce à la duplication, ce système est très simple. Des gens qui consomment à hauteur de 500 euros par mois euh, chez Carrefour, par exemple, ça va vous donner ces chiffres-là. 500 euros, c'est le panier, c'est même pas le panier moyen. Nous, on est à 700 euros chez Emrys, donc on a beaucoup de familles, bien évidemment, parce que quand on est seul, normalement, on consomme pas pour 500, 700 euros. Mais quoique, on peut mettre beaucoup de choses chez Emrys. Il n'y a pas que l'alimentaire, il y a l'habillement, il y a les voyages, il euh, y a le sport, il y a la mode, la beauté, plein de choses. Donc euh, oui, avec le simulateur qu'on vous a mis à disposition, euh, demandez à la personne qui vous a invité, vous allez pouvoir simuler, voir euh, combien. Davantage vous allez gagner. Donc, vous pouvez gagner avec le statut d'acheteur enchanté quelques euros, quelques dizaines d'euros, quelques centaines ou plusieurs centaines d'euros par mois, juste parce que vous avez recommandé 1, 2, 3, 4, 5 amis, peu importe, hein, vous pouvez en faire plus. Vous n'avez aucune limite. Maintenant, on va vous aider nous aussi à développer cette coopérative si vous le souhaitez. On va prendre un autre exemple. Maintenant, c'est la, avec la licence à 100 euros. Okay, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Et euh, on a plus de récompenses, on a, euh, on a 10 niveaux. L'acheteur enchanté, on a avec 3 niveaux. Là, avec l'enchanteur, on a 10 niveaux. Mais ce soir, on va être pessimiste. On va parler de duplication en 6. Okay? Vous inscrivez Pierre, qui inscrit Paul, qui inscrit Jacques, qui inscrit Brigitte, qui inscrit Eric, qui inscrit Guillaume. Quand Guillaume fait des achats, quelques centimes remontent à, à vous aussi et à toute cette lignée sur 10 niveaux. En réalité, ça descendra encore un peu plus. D'où vient l'argent Ça vient des remises de commerçants. Vous trouvez de l'argent qui vient des remises de commerçants et qui sont coupées en plusieurs niveaux. Et on vous donne quelques centimes ou quelques euros sur plusieurs niveaux. En dessous de vous, jusqu'au dixième niveau, quand les gens vont faire des achats, vous allez récupérer quelques centimes, quelques euros. Quand vous êtes en train de dormir, quand vous êtes en train de faire du sport, quand vous êtes en train de faire vos courses, peu importe. Tout ça, c'est automatisé. Vous n'avez pas besoin de suivre, de suivre les gens qui font leurs achats. Alors, duplication en un par un, par un, par un, 6,60 euros. Bon, C'est vrai que ça ne change pas la vie. Duplication en 2 par 2, 122 euros, 3 par 3, 1000 euros, 4 par 4, 5000 euros. Oui, c'est possible de gagner plus de 1000 euros, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois avec de la recommandation. Là, on parle que de 6 niveaux. Chez Emrys, il y a 10 niveaux pour les enchanteurs. Et là, on est dans une duplication parfaite. Donc, évidemment que ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Peut-être que vous, vous allez en inscrire 16 directement. Et dans les 16, eh bien, il y en aura simplement 4 qui vont faire la même chose et quatre qui vont en inscrire 16 ou 2 ou 1 ou 25. Ça, on n'en sait rien en fait, comment ça se passe derrière. Mais vous avez vu la puissance. Euh, Peut-être que euh, là, dans la salle, il y a des gens qui gagnent moins de 5 000 euros par mois, euh, certainement, parce que c'est vraiment un salaire quand même qui est déjà élevé. Euh, parce que je vous rappelle que tout ce qu'on va toucher là, ici, enfin je vous rappelle, je vous le dis, c'est de l'argent qui est net d'impôts et de charges que vous servez de cet argent pour refaire des achats à travers euh, à commander des cartes cadeaux toujours dans le programme de fidélité c'est net d'impôt et de charges. c'est comme quand vous allez euh, chez votre fournisseur préféré quand vous faites vos courses quand vous gagnez du crédit d'achat vous ne les avez jamais déclarés aux impôts et vous n'avez jamais fait une facture et, et payer des charges sur votre crédit d'achat et bien là on est dans le même cas de figure c'est du crédit d'achat qui est net d'impôt et de charge euh, on est dans un programme de fidélité donc, vous comprenez là maintenant qu'il est très intéressant de recommander cette coopérative parce que vous permettez aux gens qui sont autour de vous d'augmenter leur pouvoir d'achat à travers ce programme de fidélité qui vous récompense sur chaque achat. Ça peut être vraiment là pour vous des revenus passifs qui vont se mettre en place liés à la consommation des gens qui sont dans votre équipe. Maintenant, on a une prime supplémentaire tous les mois. Emrys va regarder tirer un trait. Comptez le nombre euh, d'achats qui sont faits dans votre équipe. Entrée, on, on peut dire ça, des gens que vous recommandez, on va dire que ça va être votre équipe. <laughs> Pardon. Eh bien, vous allez obtenir quoi Des primes tous les mois, soit 200, 200, euh, 500, 1000, 2500, 7000. Bien évidemment, ça va prendre du temps à avoir les, les primes les plus importantes. Pourquoi Parce que euh, votre équipe va grandir tranquillement, doucement, mais sûrement, et surtout tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois, parce que jusqu'à maintenant, on est obligé de faire ce, ces courses et c'est encore payant. Ok, Moi, je ne vous parle pas de, du carburant en ce moment euh, parce que c'est vraiment très très payant, c'est très cher. Donc, vous avez euh, vu, enfin, vous voyez ici qu'il y a des petits pointillés. Pour ceux qui veulent aller chercher des gros revenus, il est possible d'aller chercher des très gros revenus parce que déjà, 7000 euros, c'est quelque chose qui est important. Et ça, c'est combiné. Vous pouvez gagner euh, 1000 avec 1000 2500 avec 5000, et vous avez quatre rémunérations. Première rémunération, quand vous vendez des licences, vous gagnez une marge sur la licence qui est achetée. Deuxième des rémunérations, et eh bien le plan de fidélité qui vous rapporte 9, 15, 25, 44, ainsi de suite. Troisième plan de fidélité, qu'est-ce qui se passe? Euh, troisième rémunération, c'est les achats ici, des achats qui vous rapportent de l'argent tout autour, tout au fond. Tout, tout au, sur, sur les achats euh, de, des membres de votre équipe, pardon. Et, euh, et quatrième rémunération, et eh bien c'est les euh, ce qu'on appelle les primes carrières. Voilà. Donc chez Emrys, et eh bien qu'est-ce qui se passe Et vous avez un, à chaque fois que vous faites un achat, Emrys réserve une partie de la remise qui va aller dans une association. Donc on a reversé en 2021 plus de 385 000 euros. Aux associations, on avait 2805 associations. Maintenant, on en a plus de 3000 et on va reverser pas mal d'argent euh, en 2022. Donc, on peut être fier de ça. À chaque fois que vous faites un achat, vous ça vous coûte zéro. Embris prend une partie de la remise et reverse à une association que vous pouvez choisir. Vous, quand vous êtes sur le site internet d'Embris, quand vous êtes connecté, vous pouvez choisir une association en particulier. Maintenant, on en a terminé juste avant. Je vous parle des, des projets. Qui, qui arrive à grands pas l'affiliation des commerces de proximité avec une application qui devrait sortir s'il n'y a pas de retard en avril le 9 avril donc on espère que tout sera prêt et puis il y a Emrys Nutrition qui va sortir en avril le 9 avril aussi donc pour ceux qui sont à la recherche de compléments alimentaires Emrys va sortir ses propres produits avec un laboratoire français donc des très très bonnes qualités et Emery Énergie, Alors là, regardez les possibilités. Qui paye une facture d'électricité Qui euh, paye une facture de gaz Bon, beaucoup de personnes euh, payent une facture d'électricité. Eh bien, on va pouvoir transformer ces dépenses de facture d'électricité, d'énergie, en actifs. Et je vous donne une, une vision. Est-ce que vous, ça peut vous intéresser de gagner de l'argent quand les personnes dans votre équipe vont payer leur facture d'électricité et de gaz. La remise du commerçant de facture d'électricité et de gaz, une partie vous sera reversée. Est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant pour les membres, pour aider les gens qui sont aujourd'hui en, 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 en besoin d'augmenter leur pouvoir d'achat Je pense que oui, et c'est sûr que oui. Même ceux qui ont un gros pouvoir d'achat aiment bien augmenter encore leur, leur pouvoir d'achat de manière plus importante, ce qui est un peu logique. Donc, vous voyez, Emrys, c'est un écosystème qui est en train de se mettre en place. Il y a vraiment mille et une façons de gagner des Emrys Coins parce que nous, chez Emrys, eh bien, on a envie de gagner des Emrys Coins. Donc, on va chez les partenaires d'Emrys. On n'est pas fidèle à une entreprise en particulier. On est plutôt fidèle au programme de fidélité. Pourquoi Parce qu'il nous fait gagner des Emrys Coins. Donc, bien évidemment, on regarde les prix. On ne fait pas n'importe quoi. On est très intelligent chez Emrys, d'ailleurs. Quand on est membre de la coopérative, eh bien, on dépense même moins qu'avant. Et surtout, on le fait de manière intelligente et consciente. Ça, c'est quelque chose qui a été vérifié aussi. Pourquoi Parce qu'on paye avec des, quêtes, des chèques et des cartes cadeaux. Donc, du coup, on fait un budget, combien on doit dépenser. Et quand notre carte est vide, notre carte cadeau est vide, eh bien, elle est vide. On fait rarement, très rarement, le moins possible d'achats en direct avec nos cartes bleues. Pourquoi Parce qu'on gagne zéro Emrys Coin avec nos cartes bleues. On passe d'abord, on, on achète nos cartes cadeaux sur le site Emrys. Et ensuite, on va faire nos achats. Donc, on devient des consommateurs éclairés, intelligents et responsables. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et surtout, on gagne des avantages et on augmente notre pouvoir d'achat. Voilà. Allez, Nathalie, OK, carrément, vu les factures qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui augmentent. Hein. On ne fera pas de politique ce soir, mais euh, ce n'est pas facile de vivre en 2022. Et en même temps, c'est aussi une chance. Pourquoi Parce qu'on peut changer les choses et pas continuer à se faire écraser le visage comme ça fait depuis plusieurs années. Voilà. Allez, ce soir, on parle chez Emrys, on augmente son pouvoir d'achat. Et oui, c'est du, pa du passif. Euh, oui, effectivement. Il euh, y a une personne qui, qui dit et qui reprend en fait euh, tout simplement euh, un de mes arguments. Vous pouvez vraiment gagner de l'argent de manière automatisée quand vous allez recommander des personnes qui sont des consommateurs ces consommateurs eh bien vont augmenter leur pouvoir d'achat grâce à vous et grâce à vous du coup eh bien ces personnes se sentent mieux ont un meilleur pouvoir d'achat et vous vous allez être récompensé à chaque fois à chaque fois et ça c'est vraiment juste puissant ah, Nathalie qui nous parle justement des factures d'électricité. Effectivement, on en a des belles, euh, des factures qui augmentent. Euh, effectivement, je pense qu'on est d'accord, on vit dans le même pays, dans le même monde. Le prix de l'essence aujourd'hui, c'est juste à se tirer euh, une balle, bon, on ne le fait pas. Mais euh, c'est vraiment, vraiment du délire. Quoi. Voilà. Ok, eh bien, on a un petit Espagnol qui est là. Qu'est-ce que c'est comme... Alors, Emrys a été auditée par le FISC et l'URSSAF. Oui, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On a, bien sûr, euh, tout, tout, tout. On a même été reçu euh, au ministère des Finances en 2014. Donc, ça, ça fait euh, plaisir. Voilà, cette coopérative, elle est nickel, claire, transparente. Elle existe depuis bientôt plus de 7 ans, plus de 8 ans bientôt. Euh, enfin, plus de 7 ans, bientôt 8 ans. Donc, euh, vous pouvez profiter de cette belle coopérative de consommateurs les yeux fermés, mais voilà, retournez voir la personne qui vous a invité, vous allez choisir euh, le statut qui vous plaît, vous allez choisir euh, tout simplement en fonction de ce que vous voulez gagner, mais vous allez voir, c'est très simple, c'est très simple, cette coopérative de consommateurs, elle vous permet de faire quoi Déjà, d'augmenter votre pouvoir d'achat avec vos achats. Donc profitez-en, parce que si vous ne prenez pas la remise, okay euh, si vous prenez votre carte bleue, là, okay vous payez avec votre carte bleue et je finirai ça sur, 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 pour ça ce soir. Vous payez avec votre carte bleue. Quand vous payez avec votre carte bleue, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous avez euh, votre argent qui va aller directement dans la poche d'un euh, fournisseur. Par exemple, si vous faites vos achats chez Auchan, okay vous faites vos achats chez Auchan, eh bien, votre argent va directement chez Auchan. Qu'est-ce qui se passe Auchan eh bien, euh, va payer ses salariés, va payer ses actionnaires, mais Emrys avait pourtant prévu de vous reverser une petite remise, parce que vous êtes un membre de la coopérative, ou en tout cas, vous pourriez être un membre de la coopérative. Si vous décidez de ne pas prendre cette remise, qui va garder cette euh, commission Eh bien, c'est Auchan et c'est les actionnaires d'Auchan. Donc, moi, je préférerais que euh, la remise qui est négo négo négociée par la coopérative reverse, soit reversée au consommateur, à la personne qui a payé. Donc, faites en sorte de récupérer ce qui vous est dû. Vous êtes un consommateur. Vous pouvez devenir un consommateur quasiment gratuitement c'est vraiment juste très c'est peu cher entre 10 40 et 100 euros par an et vous allez avoir des avantages à chaque fois sur chacun de vos, vos caddies et, et plus que ça pensez bien alimentaire vestimentaire carburant vacances ifi, ameublement et voilà on en a des, des centaines donc prenez ce qui vous est dû votre pouvoir d'achat il est possible de l'augmenter juste en faisant quoi des achats donc